OK, bonjour tout le monde. On fait un petit test avec le micro. Est-ce que ça va pour... Là, c'est bon, là, non? Bon, j'imagine que c'est bon. Personne n'a dit non. On va commencer. OK, donc aujourd'hui, notre sujet, ça va être un aspect de l'évolution qui a posé quelques problèmes ou quelques défis au modèle de la sélection naturelle darwinienne qu'on a pu résoudre au cours du XXe siècle. Donc, on va commencer par un regard sur pourquoi la coopération dans la biologie pose un problème pour la sélection naturelle. Et ensuite, on va regarder les différentes solutions qui ont été proposées pour résoudre ce problème. Donc d'abord, la sélection de groupe. Donc là, il faut comprendre les arguments pour et contre. Ensuite, la kin selection ou la sélection de parentèle. Donc, qu'est-ce que c'est exactement la kin selection? Et ce qui va être très important, c'est une chose qu'on appelle la règle de Hamilton et qui dépend du coefficient de relation R entre deux individus qui vont coopérer. Donc, il faut comprendre comment ça marche. On verra que la kin selection n'explique pas tout et donc on va chercher d'autres modèles et on va regardez comment on peut avoir une coopération basée sur l'altruisme réciproque, et notamment via un tournoi informatique qui a fait émerger une stratégie gagnante qu'on appelle tit for tat. Et on regardera un petit peu quelles sont les conséquences de ce modèle théorique informatique pour l'évolution, enfin pour la coopération entre différentes espèces que l'on voit dans le cas de mutualisme. Et l'idée, c'est que petit à petit, sous certaines conditions, un comportement égoïste peut évoluer vers un mutualisme ou une coopération entre espèces. Et on va résumer sur ce qui semble être les cinq cadres théoriques qui peuvent favoriser l'émergence de la coopération dans un système biologique ou même social. OK? Donc pourquoi la coopération en biologie pose un problème pour la sélection naturelle de Darwin? Donc déjà, il faut avoir quelques idées sur ce que l'on veut dire par coopération. Donc une coopération, c'est un comportement qui va bénéficier à un autre individu. Et on peut avoir deux types. Donc un mutualisme, on va avoir deux organismes, deux individus qui vont interagir. Et lors de l'interaction, chaque individu va supporter un coût, mais il va en tirer un bénéfice. Donc, globalement, c'est gagnant-gagnant pour les deux partenaires. Donc, ça, c'est le mutualisme. En revanche, lors d'une interaction altruiste, chez les deux individus qui interagissent, il y a une sorte de donateur, et cet individu-là va supporter un coût, et le receveur va en tirer un bénéfice de l'interaction. Donc, dans un modèle darwinien ou qui est basé sur la compétition entre des individus pour la survie et pour la reproduction, c'est vraiment très difficile de voir comment un comportement altruiste pourrait émerger. Parce que si tous les individus d'une population sont en compétition les uns avec les autres, ben c'est pas la peine d'aller donner un coup de main à quelqu'un d'autre. Vous perdez votre temps. Vous devrez passer tout votre temps à chercher de quoi manger ou chercher à vous reproduire et maximiser votre valeur sélective darwinienne individuelle.
Donc, on voit bien pourquoi l'altruisme semble un petit peu exclu par un modèle darwinien. Et aussi le mutualisme, ça aussi, même si l'interaction est globalement bénéfique pour les deux partenaires, on verra par la suite que le problème, c'est lorsqu'on a un individu un peu tricheur qui veut rentrer dans une interaction de ce type-là et qui ne paye pas sa partie, en quelque sorte. Dans ce cas-là, un modèle darwinien verrait les tricheurs gagner, en quelque sorte, dans la population. Donc, si on ne voit pas comment on peut concilier l'existence de coopération dans les systèmes biologiques avec une compétition darwinienne. Or, des systèmes de coopération existent dans la biologie et ils sont extrêmement répandus et extrêmement importants. Donc, on a des exemples de très nombreux de coopération intra-espèces, avec éventuellement le partage de ressources, des individus qui vont pousser un cri d'alarme pour prévenir d'autres individus de la même espèce qu'il y a un prédateur dans les parages. Mais évidemment, si on pousse un cri d'alarme, on risque d'attirer le prédateur vers soi. Donc, c'est un comportement altruiste, donc on supporte un certain risque de se faire dévorer soi-même pour donner un bénéfice à d'autres individus. Et peut-être l'exemple le plus poussé de coopération intra-espèce qui soit s'illustre par ce qu'on voit chez des abeilles ou des fourmis, donc chez les insectes sociaux, où en fait la plupart des individus dans la ruche ou dans la colonie ne vont pas se reproduire. Donc, toutes les abeilles travailleuses dans la ruche vont travailler toute leur vie pour favoriser la reproduction de la reine. Donc, c'est un dévouement vraiment entier et complète. Donc, c'est une coopération poussée à l'extrême. Donc, il existe également vraiment de très nombreux exemples de coopération interespèce en biologie, notamment ce qu'on appelle des symbioses, avec deux espèces qui vont interagir et chacun en tire un bénéfice. Donc ici, on a des lichens, qui sont des symbioses entre des moisissures microscopiques et des algues. Là, on a un poisson clown et un anémone, donc c'est une symbiose. Et aussi, les coraux, par exemple, sont des organismes symbiotiques, avec des invertébrés marins qui vont capter un symbiote photosynthétique. Donc, ces symbioses sont très répandues et extrêmement importantes dans de nombreux écosystèmes. Donc, ce n'est pas une sorte de détail de la biologie ou une sorte d'accident rarissime qu'on pourrait juste ignorer en disant, oh, c'est comme ça, c'est l'exception qui confirme la règle, c'est pas ça. Donc la coopération est quelque chose de très important dans le monde vivant. Et nous-mêmes, toute la lignée d'organismes eucaryotes, on considère que notre origine, c'est une symbiose entre une sorte de précurseur de la cellule eucaryote et une bactérie intracellulaire. Donc, c'était un événement très important dans l'évolution de toute la lignée eucaryote. Donc, ces exemples de coopération en biologie, curieusement, la première personne à pointer ça et leur importance, ce n'était pas un biologiste, c'était un anarchiste russe, le prince Kropotkine, qui, au 19e siècle, a lu sur l'origine des espèces de Darwin. Et il était outré parce que ça heurtait ses sensibilités politiques et philosophiques de prétendre que tout le vivant est basé sur une compétition acharnée entre individus. Il ne pouvait pas supporter ça. Donc il a écrit un livre en disant, non, monsieur Darwin, vous avez tout faux, parce que regardez bien, la biologie est basée sur la coopération, à bien des égards. Donc ça, c'était la première personne à relever ce paradoxe entre la prédiction d'une compétition darwinienne et la réalité que l'on peut observer.
Donc, faut dire peut-être qu'au première moitié du XXe siècle, on avait creusé le modèle de Darwin avec la synthèse entre la génétique et la sélection naturelle, sur ce qu'on appelle la synthèse moderne néo-darwinienne. Et on a un peu négligé, on a mis sur un deuxième plan le problème de la coopération biologique. Donc c'est qu'à partir peut-être des années 1950 que les biologistes ont commencé à regarder sérieusement cette question. Alors le premier modèle qui a été proposé pour résoudre le paradoxe, c'était la sélection de groupe. Donc la sélection de groupe était avancée par un biologiste britannique, Monsieur Win Edwards, qui a proposé que certains comportements chez des animaux pouvaient être compris parce qu'ils agissaient pour le bien de l'espèce ou le bien de leur groupe. Donc les animaux grégaires qui vont évoluer en troupeau ou chasser en meute vont avoir un comportement collectif pour le bien du groupe et c'est ça qui va primer sur le bien individuel. Alors, il a proposé ça au début des années 1960, mais il a été vivement critiqué par un grand nombre de biologistes pour des raisons théoriques. Donc, on avait dit, oui, mais ce que vous proposez là, Monsieur Win Edwards, c'est que, par exemple, si on a une ressource qui est limitée pour tous les animaux du troupeau, ce que vous nous proposez, c'est que chacun va limiter sa consommation et comme ça, on partage mieux les ressources entre l'ensemble du groupe et ça sera mieux pour le groupe. Mais dans ce cas-là, il y aura un conflit entre la compétition individuelle, le fait que chaque individu va essayer de maximiser ses chances de survie et de reproduction. Donc dans ce cas-là, la pression, c'est de manger le maximum. Okay. Et ce qu'on doit faire pour le bien du groupe, c'est de se limiter sa consommation personnelle. Et dans ce cas-là, ce qui va primer, c'est la compétition individuelle. Donc l'idée ou le concept de sélection de groupe a été rejeté un petit peu. Peut-être hâtivement, en disant que oui, ok, on comprend votre truc, ça peut peut-être exister, mais ça sera toujours plus faible que la sélection inter-individuelle. Donc, ça ne peut pas vraiment avoir un impact fort en biologie. Donc, il y avait des arguments théoriques contre, et il y avait aussi des arguments empiriques. Donc, l'idée, enfin, comme toute science d'ailleurs, ok, votre théorie c'est ça, on va regarder quelles sont les données, est-ce que cela correspond à votre théorie. Donc, on pourrait se demander si dans le cas d'un prédateur qui chasse en meute, s'il y avait un comportement collectif pour en quelque sorte limiter les prises et ménager la ressource de la proie. On devrait avoir une population de prédateurs stable dans le temps et une population de proies stable dans le temps. Or, dans beaucoup de cas, ce n'est pas ce que l'on voit. Donc ici, on a une représentation de la population de la proie en vert et du prédateur en bleu. Et lorsque la proie est en surnombre, la population des prédateurs peut augmenter. Mais jusqu'au point où, en fait, il y a trop de prédateurs pour la proie qui est disponible, donc la proie va chuter. Et du coup, cette population de prédateurs va se retrouver en surnombre, donc ils vont mourir et leur nombre à son tour va chuter. Et la baisse du nombre de prédateurs va permettre à la population de proie de se récupérer. Et donc, on a des oscillations de population de proie et de prédateurs qui sont cycliques. Et donc, on a dit, voilà, mais regardez, à chaque individu dans la population de prédateurs est en train d'agir pour son propre bien, et c'est ça qui fait qu'on a la population augmente bien au-delà de ce qui est supportable pour le prédateur. Et la conséquence, c'est qu'on a ces cycles de population de proies prédateurs que l'on observe dans beaucoup de cas. Donc ici, on dit, voilà, ok, on n'a pas vraiment de
évidence en faveur d'un comportement de groupe qui vise à maximiser et stabiliser la population du groupe. Donc, pendant les années 1960, on a un peu nié ou on pensait que la sélection de groupe ne pouvait pas être un mécanisme biologique important et on cherchait d'autres explications pour la coopération. Donc, la suivante, c'est la kin selection, qui était proposée par W.D. Hamilton. Alors, la kin selection repose sur un concept qui est la valeur sélective inclusive, ou la fitness inclusive d'un organisme. Et ce qui est à mettre en contraste avec la valeur sélective darwinienne d'un individu, ou la fitness darwinien d'un individu. Donc, normalement, dans un modèle d'évolution par sélection naturelle, on a à chaque génération plus de naissances que l'environnement peut supporter. Donc, parmi les individus qui naissent ou qui éclosent ou qui germinent au début de chaque génération, seulement un certain nombre vont survivre jusqu'à l'âge adulte et se procréer. Donc, on définit la valeur sélective d'un individu, oméga, comme le produit de sa viabilité et de sa fertilité. Donc, V, viabilité, F, fertilité. Donc, tous les individus qui meurent avant d'arriver à l'âge de procréer, à leur viabilité est zéro, ils sont morts. D'accord? Donc, V égale zéro, donc oméga va égaler zéro aussi. Tous les individus qui survivent, mais qui ne se reproduisent pas, bah, leur viabilité est peut-être bonne, ok, V c'est une valeur positive, mais leur fertilité sera zéro. Donc, pareil, oméga est zéro. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, à chaque génération, les organismes, les individus doivent essayer de maximiser cette valeur sélective oméga. Donc ça, ce n'est pas tout à fait évident. Donc si on peut imaginer une espèce d'angiosperme qui essaye, et il y a une sorte de choix d'allocation de ressources dans les sutures de la plante. Donc si la plante va investir 100% de son énergie biologique à produire des tiges et des feuilles, bah, sa viabilité sera maximisée, mais sa fertilité sera zéro. Ça ne va pas marcher. À l'inverse, si notre plante investit 100% de son ATP pour produire des fleurs et des graines, bah, sa fertilité sera maximum, mais la viabilité, zéro. Donc, quelque part, l'optimum, il doit se retrouver entre ces deux extrêmes. Mais dans une situation réelle, dans un écosystème, dans la nature, c'est très très difficile de savoir qu'est-ce qui va être l'optimum entre l'investissement dans les structures végétatives et les structures nécessaires à la reproduction. Donc, ce que l'on fait, ou ce que font les écologistes pour comparer la valeur sélective darwinienne des individus dans une population, c'est de compter le nombre de progéniteurs qui survivent jusqu'à l'âge adulte. Et c'est ça qui va donner la contribution relative d'un individu à la composition génétique de la génération suivante. Donc ça, c'est la définition fonctionnelle de la valeur sélective individuelle d'un individu dans une population donnée. Donc c'est centré sur vraiment la contribution d'un individu à la composition génétique de la génération suivante, sa contribution directe. Alors, ce que Hamilton a remarqué, c'est que peut-être ce n'est pas tout ce qu'il y a à comprendre dans l'évolution. Parce que, imaginons que un individu qui n'a pas de descendance directe, peut favoriser la reproduction et la survie de ses parents qui partagent un certain nombre de gènes, ou plutôt un certain nombre d'allèles avec lui,
Bah dans ce cas-là, il peut avoir un effet indirect sur la transmission de son patrimoine génétique. Donc l'exemple ici, là, cet individu-là, dont notre arbre généalogique n'a pas de descendance directe, donc sa valeur sélective darwinienne sera de zéro, parce qu'il n'a pas de descendance, pas d'enfant. Mais imaginons que s'il donne une aide altruiste à son neveu ici, qui l'aide à survivre ou à se reproduire, mais en fait, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut favoriser la transmission des allèles qu'il partage avec ce neveu à la génération suivante. Et c'est ça qui est proposé comme étant la valeur sélective inclusive de Hamilton. C'est-à-dire que pour comprendre enfin, disons non, je vais recommencer cette phrase-là. Donc, ce que Hamilton propose, c'est que on a fait un peu fausse route en regardant uniquement la contribution directe d'un individu à la génération suivante, et on doit aussi tenir compte des effets indirects. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce sont les fréquences alléliques dans une population génétique. Ce n'est pas le fait qu'il y a un individu ici qui vit ou qui meurt. Ce qui compte, ce sont les allèles des gènes qui sont transmis de génération en génération. C'est ça le succès darwinien. D'accord? Et donc, si on bouge notre regard focalisé initialement sur l'individu, à regarder plutôt les gènes ou les allèles, ça change quelque chose. Parce que ça veut dire qu'en fait, un comportement altruiste vis-à-vis de parents qui partagent avec nous un certain nombre d'allèles, il peut être favorisé par la sélection naturelle. Alors, donc voilà, donc ça c'est la valeur sélective inclusive proposée par Hamilton. Donc on doit tenir en compte la valeur sélective individuelle et aussi des effets positifs sur la survie des parents. Et Hamilton a proposé une inégalité qu'on appelle la règle d'Hamilton qui dicte sous quelles conditions un comportement altruiste va être favorable, c'est-à-dire au niveau de la transmission des gènes. Donc, un comportement altruiste va être favorable si le coût au donateur est inférieur au bénéfice retiré par le receveur de l'interaction multiplié par R, qui est le coefficient de relation entre les deux individus. Donc, le coefficient de relation, c'est la proportion d'allèles qui sont partagés entre deux individus. Et donc, globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus j'ai un lien de parenté proche avec un autre individu, plus je dois coopérer avec cet individu parce que il ou elle partage une forte proportion de mon patrimoine génétique. Et si je l'aide à survivre ou à se reproduire, ça va favoriser la transmission des allèles que je porte en moi également. Donc, on voit que c'est toujours applicable un peu dans la vie de tous les jours. Si l'un de mes enfants me demande, est-ce que tu peux me prêter ou me donner 100 ou 200 euros, ben, je vais probablement dire oui. Or, si c'est quelqu'un dans l'amphi ici qui me pose la même question, ben, je pense que ça sera plutôt. Non, non, avant que quelqu'un essaye, ça sera certainement non. OK? Donc, je suis prêt à faire un don altruiste vis-à-vis de mes propres enfants parce qu'ils partagent de l'information génétique avec moi. Et même avec un neveu, je pourrais peut-être dire oui. Donc, le coefficient de relation, on peut le calculer de façon très précise parce que c'est donné par cette équation. Donc, R égale 0,5 aux puissances de n, quand n est le nombre de pas dans l'arbre généalogique qui sépare deux individus. Donc, entre B et A, frère et sœur, j'ai un pas qui monte, un pas qui descend.
Donc, n égale 2 ici. Donc, 0,5 puissance n, 0,25. Mais s'ils ont les deux parents en commun, ça veut dire qu'ils partagent 50% de leur patrimoine génétique. OK. R égale 0,5. Entre, ben voilà, A et sa tante ou son oncle D, là, on a 1, 2, 3 pas. Donc, on va être à 0,125. Mais si on a les deux grands-parents en commun, ça va faire 0,25. Le coefficient R entre un oncle ou une tante et une nièce et un neveu. Donc, du coup, on peut calculer le coefficient de R selon les relations de parenté que l'on a, qui va être plus ou moins éloigné. Alors, toute l'idée de la règle d'Hamilton, c'est que on doit aider les parents si cette règle est inférieure à P multiplié par R est respectée. Donc pour voir si vous comprenez comment on peut s'appliquer, on peut appliquer ça, je vous propose ce petit scénario imaginaire. Et je vous invite à lire l'énoncé et donner et décider un peu ce que vous pensez et le comportement cohérent avec la règle de Hamilton. Ok, c'est bon, tout le monde a fait son idée? Tout le monde est prêt à s'exprimer? Ok, qui dit 1 ce que Hamilton me dit que je dois rester sur place sans rien faire? Personne. Qui dit Hamilton me dit que je dois pousser un cri d'alarme? Ouais, pas mal, pas mal. Qui dit, non, Hamilton dit que je dois rentrer sans faire trop de bruit. Je prétends que j'ai rien vu. Oh, un seul petit nombre. Qui dit, allez, je me sens fort, j'y vais. Personne. Oui, ok, c'est vrai. 4, c'est la valeur sélective darwinienne 0, là. Pour la réponse 4. Beaucoup de gens n'ont pas exprimé un avis. Vous n'avez pas compris le truc ou quoi? Qui n'a pas compris comment on peut faire ça? Ok, vous voulez juste pas me dire, ça va, ok. Ok, donc moi, ce que je pense que la règle d'Hamilton nous dit, c'est que il faut 3 là. C'est la réponse 3, c'est ce qui est logique. Donc la règle d'Hamilton n'est pas une notion qui dit ce qui est sympa à faire ou ce qui va être bien. D'accord? Et c'est vraiment une logique froide. Et pourquoi la réponse est 3 ici? Parce que on dit que le risque, c'est de 20% de se faire attaquer et dévorer par des loups, ici. Donc, le coût est de 0,2 en unité de fitness darwinienne. OK, donc, la valeur sélective darwinienne. Et voilà, donc j'ai 20% de chances de mourir, donc mon coût c'est de 0,2. Donc si je sauve la vie de ce congénère, lui, sa bénéfice sera de 1, 100% de survie, d'accord, 1. Mais la valeur de R, c'est que 0,17. Donc mon inégalité
Donc 0,2 doit être inférieur à 0,17 fois 1. Bah, c'est pas inférieur. Et dans ce cas-là, le risque est trop grand pour moi pour risquer de sauver un autre membre du groupe. Donc ça, ce calcul-là, en théorie, serait différent si on avait une valeur de R de 0,25. Donc, c'est-à-dire, si c'était le macaque qui regarde, il voit que c'est son neveu qui va se faire attaquer. La valeur de R entre oncle et neveu, c'est 0,25. Ben, dans ce cas-là, la règle d'Hamilton lui dirait, OK, faut faire quelque chose là. OK. Donc, ici, j'ai une valeur de R de 0,17. Qui est pas, c'est pas zéro ça, c'est pas très petit, c'est assez grand. Donc c'est supérieur à ce qu'on avait vu pour deux cousins. Et ce n'est pas rare d'avoir ça chez des groupes d'animaux qui vivent ensemble sur plusieurs générations. Parce qu'en fait, ils sont relativement consanguins, ce qui fait que le coefficient de relation entre deux individus tirés au hasard va être de cet ordre-là. Et là, on commence à voir un petit peu de cohésion et cohérence entre ce qu'on avait vu avant, la sélection de groupe, et la kin selection. Parce qu'en fait, si on a une relation de parenté avec tous les membres du groupe, en fait, si on se comporte pour les aider, pour nous aider entre nous dans le groupe, bah, en fait, c'est la même chose que la kin selection. On favorise la transmission de nos allèles. Parce que tout le monde dans le groupe partage un certain nombre d'allèles avec moi. Donc voilà. Donc ça, c'était un peu un exemple théorique. Comment c'est censé fonctionner? C'est un calcul froid et logique. Alors, on a plusieurs exemples en biologie où l'aide ou la coopération vise principalement les parents proches. Et donc, en particulier chez des oiseaux, lorsqu'on a les deux parents d'un couple qui s'occupent du nid, qui cherchent à trouver à manger pour les juvéniles, souvent, chez certaines espèces, on voit qu'ils peuvent être aidés par un troisième oiseau, un troisième individu. Mais cet individu-là, ce n'est pas un inconnu, c'est souvent l'enfant ou le poussin du même couple d'oiseaux. Donc en fait, c'est le grand sœur, la grande sœur ou le grand frère des poussins qui sont dans le nid, qui va donner un coup de main. Donc ça, c'est clairement un exemple de kin selection. Un autre exemple plus bizarre, c'est chez une espèce de salamandre qui, lors de la croissance lors de leur croissance, à partir des œufs fertilisés, ils vont se développer en deux morphologies. Donc une qui va manger des petits invertébrés dans l'eau, et l'autre qui va être plus grand, avec un grand mâchoire, qui va manger ses congénères. Donc, on a un comportement cannibale chez certains de ces salamandres. Or, ça se trouve que les cannibales mangent plutôt des individus qui sont non apparentés. Donc, ils favorisent leurs parents proches en évitant de les manger. Donc, ça, c'est un exemple de kin selection. Et le dernier exemple, c'était l'exemple proposé par Hamilton lui-même. C'était la coopération extrême que l'on observe chez les abeilles et chez des fourmis qui sont caractérisées par un système génétique qu'on appelle haplodiploïde. Donc, dans un système haplodiploïde, les mâles sont haploïdes et les femelles sont diploïdes. Donc, ce qui fait que dans une ruche, la reine est diploïde et le faux bourdon, ou drey pour drones, les mâles ici, vont fertiliser les œufs de la reine. Donc si on a un seul faux bourdon qui
est actif dans la ruche, ça veut dire qu'entre deux travailleuses qui éclosent deux fertilisés, leur coefficient de relation entre elles sera de 0,75 parce qu'elles partagent la totalité des chromosomes paternels. Et dans les chromosomes d'origine maternelle, la méiose fait que, bah, elle partage 50% des allèles sur les chromosomes, maternels. Donc leur R entre elles, c'est de 0,75. Donc les travailleuses n'ont pas accès au faux bourdon. Donc elles ne peuvent pas se faire fertiliser et pondre des œufs. Mais en fait, elles pourraient pondre des œufs qui seraient non fertilisés et ces œufs-là donneraient des mâles comme descendance. Et la question, c'est ben, pourquoi elles ne le font pas? Et Hamilton, il dit, ben, si une travailleuse pondait des œufs qui seraient non fertilisés, quel est le coefficient de relation entre le mâle, leur fils en quelque sorte, et la travailleuse? Ben, elle n'est que de 0,5. Donc en fait, les travailleuses ont un coefficient de relation plus forte entre notre travailleuse qu'entre elle-même, elle, et un mâle qu'elle pourrait produire toute seule. Donc la conclusion de Hamilton, c'est que c'est ça l'explication de leur coopération pour favoriser la réplication de la reine ou la reproduction de la reine. Parce que lorsque la reine se reproduit, bah, ça va faire plus de travailleuses et le coefficient de relation entre travailleuses, c'est 0,75. Et donc c'est pour ça qu'elles vont coopérer à outrance. Donc ça, c'était vraiment une explication qui était merveilleuse dans sa simplicité et et c'était totalement lucide et limpide. Très belle explication d'une coopération extrême chez ces sociétés d'insectes. Alors, comme souvent en biologie, une très belle théorie peut être amochée par les observations réelles. Et c'est le cas ici également. Parce que lorsqu'on regarde bien, il y a en fait plusieurs mâles dans une ruche qui fertilisent les œufs de la reine. Et du coup, la coefficient R entre travailleuses n'est pas à 0,75, c'est inférieur à 0,75. L'autre chose que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a un bon nombre d'espèces d'insectes qui sont haploïdes, mais qui sont solitaires, qui n'ont pas de comportement collectif. Donc il y a des abeilles solitaires, il y a des guêpes solitaires qui sont haploïdes. Donc l'haplodiploïdie n'est pas suffisant pour forcer un organisme à avoir un mode de vie sociale. Et l'inverse est aussi vrai parce que les termites, qui sont des insectes sociaux qui fabriquent ces énormes termitières, ne sont pas haploïdes. Donc l'haploïdie, ce n'est pas non plus nécessaire pour l'évolution d'un comportement social chez les insectes. Donc c'est ni nécessaire ni suffisant. Mais néanmoins, les insectes sociaux sont rares en dehors des hyménoptères avec un mode de reproduction haploïdiploïde. Donc on considère que l'haploïdiploïdie est un facteur important dans l'émergence de ces comportements sociaux. Mais c'est ni nécessaire ni suffisant. OK, donc un des facteurs essentiels pour l'émergence ou le maintien de la kin selection, c'est quand on doit être capable de reconnaître qui est mon parent et quel est mon degré de parenté avec cet autre individu. Donc, chez les oiseaux et les mammifères, bon, c'est pas tellement un problème. On a un cerveau assez développé, une audition et un système visuel très perfectionné. Donc, on peut distinguer différents individus et on a une mémoire, les capacités de mémoire pour savoir qui est qui. Donc, ça va, c'est simple. Pour les salamandres, bon, apparemment, c'est l'odorat qui est en jeu. Donc, ils peuvent sentir lesquels entre différentes proies potentielles ont une relation de parenté plus proche.
Pour les insectes sociaux, ils semblent pas avoir de reconnaissance directe, mais c'est plutôt une sorte de règle de base. Tout le monde de la rue, dans la ruche, fait partie de la même famille. Donc, je vais coopérer avec tous les individus dans la ruche. Et donc ça se manifeste par le phénomène d'esclavage que l'on voit chez certaines fourmis, donc qui envoient des expéditions pour voler des œufs à d'autres colonies de fourmis. Les œufs qui éclosent dans une colonie d'une toute autre espèce de fourmis, les fourmis qui sortent, ben, ils ne se rendent jamais compte qu'ils sont parmi des étrangers. Donc tout le monde les considère comme faisant partie de la famille, même si en fait il y a zéro relation de parenté. Ok, donc kin selection, pas mal comme explication. C'était cohérent avec la sélection darwinienne et avec la génétique des populations et qui expliquait un certain nombre de cas. Donc c'était bien. Mais en fait, un des problèmes, c'est que c'est pas toujours facile de distinguer la kin selection d'une sélection de groupe. Parce que, comme je disais, lorsque des animaux vivent en groupe ou on a une population de plantes sur une petite zone, on aura des fortes relations, coefficients de R entre les individus du groupe. Alors, on peut aussi dire, ouais, ben, c'était évident que le coefficient oméga, quand on va faire ça en génétique de population, on considère non pas des individus, mais des génotypes et leur fréquence dans la population. Donc, dans les modèles de génétique de population, on a déjà arrêté de penser aux individus, on pense aux allèles et leur fréquence. C'est vrai, mais je pense que l'avancée d'Hamilton, c'était de pointer les conséquences de cette façon d'analyser les populations et l'appliquer au phénomène de coopération entre individus. Donc je pense que ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Et donc, limitation importante. D'autres choses, c'est que ben, des fois, quand on regarde, même chez des cas de coopération intra-espèce, tous les exemples de coopération ne favorisent pas forcément les parents. Donc ça, c'est une limitation. Et clairement, la kin selection ne peut pas expliquer des exemples de symbiose, qui sont des coopérations entre des espèces totalement différentes. Donc, coefficient de R entre les deux individus, zéro. Donc, il faut un autre cadre théorique pour expliquer ces exemples-là. Alors, là, ce que ça va être l'altruisme réciproque, qui est une sorte de mutualisme, parce que les symbioses sont des interactions mutualistes. Chaque individu en retire un bénéfice de l'interaction. Alors, dans le kin selection, on cherchait à expliquer l'existence de certains comportements altruistes, c'est-à-dire on va aider quelqu'un, un autre individu, et on le fait parce que cet individu-là partage un certain nombre d'allèles avec moi. Or, des symbioses sont des interactions mutualistes, c'est-à-dire que les deux individus dans l'interaction supportent un coût et les deux en tirent un bénéfice. Donc c'est donnant-donnant et c'est gagnant-gagnant. Alors, le problème dans un cadre de sélection darwinienne, c'est qu'on voit que, OK, globalement, ça va être bénéfique pour tout le monde, mais comment faire émerger cette coopération et comment le maintenir face à une sorte de tendance prévu un peu dans le cadre de compétition darwinienne, c'est que chaque individu va être motivé par sa propre survie et sa propre reproduction. Donc le problème s'illustre peut-être, enfin, pour illustrer ce problème, donc je vous propose de considérer une population d'individus qui vont avoir des interactions mutualistes. Donc chaque fois que deux individus coopérateurs interagissent, chacun se porte un coût de deux unités de valeur sélective darwinienne,
mais il retire un bénéfice de 5 unités. Et donc, pour chacun, le bénéfice net, c'est plus 3. Donc, c'est donnant-donnant et c'est gagnant-gagnant. Mais imaginons que l'on voit apparaître dans cette population-là un mutant, et c'est un mutant tricheur. Donc, le mutant, lorsqu'il entre dans une interaction avec un coopérateur, ben, le coopérateur va toujours donner quelque chose, mais il reçoit rien. Donc, le coopérateur est perdant dans l'affaire. Tandis que le tricheur, lui, il donne rien, mais il reçoit toujours autant. Donc, il est super gagnant. Donc, la conséquence, c'est que ben, le mutant tricheur aura une plus forte valeur sélective darwinienne. Donc, l'allèle qui code pour le comportement égoïste, il va être favorisé. Et donc, du coup, il va se répandre dans la population. Et notre belle société coopérative sera détruite dans une sorte de population d'égoïstes, et chacun essayant de en tirer le maximum de l'autre. Et on ne voyait pas vraiment quelle pouvait être la sortie de cette situation, ma foi, triste. Alors c'est quelque chose qui a des implications en sociologie, en économie, et c'est plutôt de ces sphères-là qu'on a commencé à essayer de simuler des situations pour comprendre comment un comportement mutualiste, coopératif, pouvait émerger, même si tout le monde agit de façon égoïste. Et ce type de choix est illustré par le jeu du dilemme de prisonnier. Donc l'idée, c'est que bah, la police arrête deux suspects qui sont complices dans un crime, et la police les met à part dans des cellules et ils leur font le même marché. C'est-à-dire, OK, si vous comptez sous sur votre copain, vous allez être libéré et c'est lui qui va prendre pour 10 ans. Donc, si personne ne parle, en fait, la police n'a pas suffisamment de preuves pour les condamner pour une peine longue, donc chacun va prendre que pour 6 mois. Mais si tous les deux se dénoncent mutuellement, bah, tous les deux vont prendre pour 5 ans. Donc, c'est clair que ce qui est mieux pour les deux, c'est de tous les deux coopérer. Mais en fait, comment si vous coopérez, vous risquez de prendre la peine de 10 ans pour vous toute seule. Donc, c'est ça le risque. Alors, donc, pour illustrer ça, je vais vous demander de vous mettre face à face avec un voisin ici. Mais vous ne discutez pas entre vous pour vous mettre d'accord. Vous vous regardez juste dans les yeux, vous essayez de voir ce qu'il va faire, et puis chaque individu dans le binôme va prendre sa décision, vous notez ça sur un bout de papier, et ensuite vous dévoilez ce que vous avez. OK? Voilà, vous avez le choix, vous coopérez ou vous trahissez, c'est ça. Ok, vous décidez si vous coopérez avec moi ou pas. Ok, vous notez ça? Ouais, moi j'ai pris ma décision, hein. Alors, vous décidez quoi? Je coopère. Ah, dommage pour vous, vous en prenez pour 10 ans, je vous ai trahi. Ah, bah, dommage. Ok, donc vous avez montré vos choix? Non? Tout le monde a fini, là? Donc, chaque binôme sait quel a été le résultat de l'interaction, non?
Ok, donc je vais demander pour chaque binôme, une personne dans le binôme, de lever la main pour me dire quel était le résultat de votre binôme. Et on a trois possibilités. Vous avez tous les deux qui ont coopéré, un qui a coopéré, un qui a trahi, ou les deux qui ont trahi. D'accord? Donc, pour CC, vous avez tous les deux coopéré. Combien de binômes dans ce cas-là? Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, bon, à peu près 25, ok? Quelque chose comme ça. Alors, les binômes où on a une personne qui a coopéré et une personne qui a trahi, combien de binômes? À peu près 6. Et les binômes, tous les deux ont trahi. Oh là! 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, voilà le résultat de notre petite expérience. Et je dois vous dire que ça, c'est extrêmement reproductible d'année en année, hein. Chaque fois qu'on fait ça en amphi, on a toujours le même résultat. On a une majorité des binômes très clairs qui décident de coopérer. Quelque part, ce n'est pas comme ça que c'est censé marcher, parce que chacun est censé faire une sorte de petit calcul, dire oui, mais je ne peux pas savoir ce. Et la réponse logique, entre guillemets, c'est de trahir. Donc, si on joue ça, peut-être, si on jouait. Mais, ok, donc ça c'est un peu la prédiction théorique, c'est que tout le monde doit trahir. Mais en réalité, quand on le fait dans l'amphi, ce n'est pas le résultat que l'on observe. Pourquoi? Ben, probablement, en fait, vous vous connaissez un petit peu avec la personne à côté, donc vous avez une idée comment ils vont faire, et vous venez pas avec zéro information, c'est pas un inconnu. Et aussi, ben, peut-être on a tous envie d'être connu pour être quelqu'un de sympa qui va aider l'autre, et donc on a une certaine pression sociale qui est là pour être un peu le team player, quoi. OK? Donc, et même dans un cadre d'un jeu comme ça qui ne vaut rien, surtout même ça, le jeu ne vaut rien, on n'a rien à gagner ici. Donc, la seule chose que l'on peut éventuellement avoir comme bénéfice ou coût, c'est que la personne en face de moi va penser que je suis bien ou pas bien. Donc, c'est un peu ça qui prime, en fait. Donc, on a ces interactions de niveau social qui influent sur le jeu. Mais la plupart d'organismes biologiques vont pas avoir ce type de réflexion. Une bactérie ou une moisissure ne va pas avoir ce type de réflexion. Or, on peut avoir la coopération qui s'installe dans ce cadre-là. Donc, on essaye de se placer dans une situation qui est uniquement limitée dans les coûts et les bénéfices dans le jeu. Et c'est ce qui a été fait à la fin des années 1970 avec un tournoi informatique de jeu de dilemme de prisonniers itéré. Et Robert Axelrod a invité différentes personnes à soumettre les stratégies qui allaient jouer entre elles. Donc on avait différentes stratégies qui étaient proposées. Donc coopérateur allait coopérer tout le temps, défecteur allait trahir à 100% du temps, et jester, je pense que c'est quelque chose d'aléatoire. Et en fait, le jeu, c'était que toutes les combinaisons 2 pour 2 allaient jouer contre elles, mais pas en un seul tour, mais pour 20 tours, de façon répétée. Et puis, toutes les combinaisons 2 pour 2 étaient testées, et à la fin, on comptabilisait le nombre de points qui étaient gagnés. Donc, si on avait une rencontre coopérateur et défecteur, ben, c'est le tricheur qui allait gagner 5 points sur 5 à chacun des 20 tours. Il fait le score maximum 100 points. Mais deux coopérateurs, ben, ils allaient quand même gagner 3 points à chaque tour. Donc, ils allaient gagner 60 points sur les 20 interactions. Et donc, on comptabilise tout ça. Alors, l'idée, c'était de voir, OK, est-ce que dans un système simple comme ça, on peut avoir l'émergence d'un
comportement coopératif. Et à la grande surprise de tout le monde, le gagnant du tournoi, c'était la stratégie tit for tat, ou même donnant-donnant, qui avait une stratégie très très simple. C'est-à-dire qu'il allait coopérer lors du premier tour, et ensuite il a copié le dernier choix de son adversaire. Et pourquoi il a gagné? Parce que, ou pas, pourquoi il a gagné tit for tat? Parce que, contre des stratégies agressives, bah, elle ne se faisait pas avoir. Donc elle perdait peut-être le premier tour, mais par la suite, bon, elle se faisait pas exploiter. Donc c'était pas naïve, tit for tat. En revanche, contre des stratégies plus pacifiques ou ouvertes à la coopération, bah, elle a instauré la coopération dès le premier tour et ça a continué pendant les 20 tours. Donc c'était cette combinaison de ne pas se faire avoir par les tricheurs et d'être sympa avec les coopérateurs qui a fait que voilà, ça a gagné. Et puis, ce qui est aussi important, c'est que tit for tat coopère avec elle-même. Donc lorsqu'elle se retrouve entre deux tit for tat ensemble, elle réussit à installer la coopération. Donc tit for tat gagne le tournoi et coopère. Donc on a réussi à surmonter le problème de la coopération dans un système qui est basé uniquement sur des règles comptables. Donc on ne réfléchit plus pas. Tit for tat n'est pas en train de se dire ah, ouais, est-ce qu'ils vont penser que je suis sympa ou pas? Non, c'est pas ça. C'est simplement un algorithme informatique très très simple. Donc même dans un système très très froid, très logique comme ça, on peut voir l'émergence de la coopération. Quelles sont les règles, enfin, quelles sont les leçons de ce tournoi? Donc, la coopération basée sur l'altruisme réciproque va pouvoir émerger si on a des interactions répétées et si on est capable d'identifier les différents individus et de se souvenir de leurs actions. Parce que un élément très important, c'était que tit for tat ne se faisait pas avoir deux fois par un adversaire plutôt agressif. Et ça, c'était très important d'avoir une sorte de vengeance qui arrive après, parce que sinon, si on oubliait qu'on nous avait triché la dernière fois, bah, ça ne peut pas marcher. Donc, mais néanmoins, on n'a pas besoin de connaissances sociales, on n'a pas besoin de lois, on n'a pas besoin d'avoir la police qui va venir vous punir si vous n'êtes pas un bon coopérateur, ou des choses comme ça, comme, je sais pas, moi, peut-être en Chine en ce moment. Donc le système est basé uniquement sur les interactions individuelles et leur algorithme, en quelque sorte. Mais néanmoins, on peut avoir la coopération qui émerge. Donc ça semblait être une série de critères qu'on pouvait espérer voir dans un système biologique en dehors des organismes intelligents. Donc on a commencé dans les années 80 à chercher des exemples réels de la stratégie tit for tat dans le monde biologique. Et on en a trouvé un exemple qui est souvent cité, ce sont des chauves-souris vampires qui se nourrissent de sang des animaux, et chaque nuit, elles quittent la cave, et elles vont aller s'accrocher sur un animal et essayer de le saigner un petit peu, et ils prennent un repas sanguin, et puis ils rentrent dans la cave. Ce qui est très important ici, c'est que le vol, c'est une activité qui demande énormément d'énergie. Et si une chauve-souris ne mange pas pendant 2 ou 3 jours, bah, elle va mourir. Parce qu'elle peut pas stocker énormément de réserves, parce que sinon elle sera trop lourde pour voler. Donc c'est extrêmement important d'être nourri tous les jours presque. Donc on a observé que ce qui se passe chez ces chauves-souris vampires, c'est que si jamais il y en a une qui n'a pas réussi à trouver un repas sanguin, elle va s'en rapprocher à une autre chauve-souris qui, elle a mangé. Et ça se voit parce que le sang, ça prend de la place. Donc le ventre est distendu. Donc la chauve-souris qui n'a pas mangé va se rapprocher à la chauve-souris qui a bien mangé et va le frotter un petit peu le ventre pour solliciter un don de repas sanguin. Donc cette autre chauve-souris, si elle est d'accord, va se retourner et va regurgiter un petit peu de son sang.
Et ça va nourrir cet individu qui n'a pas réussi à trouver de quoi manger cette nuit. Et ça va l'aider à survivre. Donc ça, c'est une interaction coopérative entre deux individus, okay? Un donneur et un receveur ici. Alors, ce que l'on a observé, c'est que les dons de nourriture sont entre individus non apparentés, donc ce n'est pas de la kin selection, et que les rôles donneur-receveur sont souvent inversés. Donc, c'est l'altruisme réciproque. Et que finalement, on a vu que, en fait, les tricheurs, lorsqu'il y avait une interaction, quelqu'un qui donnait, une chauve-souris qui donnait, et que ce receveur, la prochaine fois qu'on lui demandait de partager, partageait pas, il y avait une application de tit for tat. On refusait de rentrer dans des interactions avec des individus tricheurs par la suite. Et donc ça marche parce qu'on a vu que les chauves-souris, elles étaient capables de distinguer différents individus et de favoriser des interactions avec des individus qui avaient joué le jeu, donc qui avaient accepté de faire donnant-donnant. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de tit for tat qui existe mais qui sont rares. Donc c'était un peu la déception de ne pas trouver vraiment de meilleurs exemples ou de plus d'exemples. Donc ça existe mais c'est plutôt rare. Probablement parce que les critères nécessaires pour que ça marche n'existent pas toujours. Néanmoins, des choses qui sont intéressantes, une des leçons intéressantes dans le modèle du dilemme du prisonnier et la victoire de la stratégie tit for tat, c'était que les interactions répétées étaient très importantes. Donc, on commençait à se dire, oui, mais alors, comment on peut chercher dans quels autres systèmes de biologie illustrent des interactions répétées entre deux espèces dans le temps, enfin, sur plusieurs générations. Et en fait, ça c'est typiquement ce qui se passe lors d'une coévolution de deux espèces. Donc la coévolution concerne des espèces qui ont des interactions répétées sur plusieurs générations. Et ces interactions peuvent être de différents types, de prédation, de compétition, de parasitisme ou de mutualisme. Donc, une coévolution entre un prédateur et une proie, ça a tendance à enchaîner une sorte de compétition évolutionnaire avec le prédateur qui aura ou peut-être la proie qui va avoir une pression de sélection pour devenir plus rapide pour échapper aux prédateurs, ou d'évoluer un pelage qui le permet de fondre dans l'environnement, dans le feuillage. Et donc, en face, chez le prédateur, ça va engendrer une pression de sélection pour que le prédateur, à son tour, devienne plus rapide, ou alors développe une vision plus aiguë pour pouvoir distinguer la proie. Et donc, on a une sorte de course à l'armement entre le prédateur et la proie. Et donc chacun va s'adapter l'un à l'autre. Donc le prédateur va peut-être devenir spécialisé pour bien repérer une certaine proie en particulier. Donc on a okay, coévolution qui mène à une sorte de course aux armements entre la proie et le prédateur. Les coévolutions par compétition. Donc ça veut dire qu'on a deux espèces proches qui sont en compétition pour la même ressource. Donc souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va finir par avoir une spécialisation et une sorte de différenciation, de divergence un peu écologique avec chaque espèce qui va spécialiser sur une certaine ressource parce qu'il va être plus efficace sur cette ressource-là que l'espèce en compétition. Donc on a ce qu'on appelle l'exclusion écologique avec voilà, une niche écologique sera occupée par une espèce, et pas deux parce qu'ils sont en compétition. Alors, d'autres interactions qui ont lieu de façon répétée à longue durée sont des interactions de parasitisme et de mutualisme, et on peut prouver que des hôtes et des parasites coévoluent lorsqu'on compare les arbres phylogénétiques des espèces hôtes ici à gauche, et des espèces parasites. Et ce que l'on voit, c'est que lorsqu'on a
un arbre ramifié avec plusieurs espèces hôtes apparentées qui sont parasitées par un type de parasite donné. On n'a pas juste une seule espèce de parasite qui va parasiter toutes ces hôtes. En fait, chaque fois qu'on a une spéciation de l'hôte, ça va engendrer une co-spéciation du parasite. Parce qu'ils sont là en train de coévoluer avec éventuellement l'hôte qui essaie d'éliminer le parasite et le parasite qui essaie de déjouer les défenses de l'hôte. Et ça va engendrer une coévolution et une co-spéciation. Bon, avec quelques exemples avec des parasites qui peuvent sauter d'espèce de temps en temps. Alors, ces interactions hôte-parasite font coévoluer les deux espèces. Et la question, c'est est-ce que ces interactions hôte-parasite peuvent-elles évoluer vers un mutualisme? Où en fait, l'hôte va arrêter d'essayer d'éliminer le parasite et le parasite va arrêter d'essayer de nuire à l'hôte. Et en fait, une chose qui est très importante, c'est la transmission, le mode de transmission du parasite. Donc, dans le cas où on a une transmission horizontale, c'est-à-dire que, par exemple, le SARS-CoV-2, la COVID, c'est une transmission horizontale. Si moi je suis infecté, j'enlève mon masque, je tousse, je vais avoir une transmission horizontale, c'est-à-dire transmission, c'est-à-dire là, de là. OK? Donc, moi, l'individu zéro infecté, je transmets mon infection à des individus qui ne sont pas apparentés. Transmission horizontale. Donc dans ce cas-là, chaque fois que le parasite ou le pathogène interagit avec une nouvelle hôte, cet hôte n'a pas de lien de parenté avec moi, le hôte initial. Mais dans ce cas-là, il n'y a aucun bénéfice pour le parasite de devenir moins pathogène. Il y a une différence avec ça et la transmission verticale, c'est-à-dire si moi je suis infecté, et je transmets l'infection à mes enfants qui vont le transmettre à leurs enfants. Ça, c'est la transmission verticale. Plutôt dans la lignée femelle d'ailleurs, parce que on a des infections qui se transmettent au cours de l'accouchement, par exemple. Mais dans ce type de transmission verticale, le même parasite va interagir avec le même hôte de génération en génération. Pas les mêmes individus, mais les mêmes fonds génétiques. Et en quelque sorte, le parasite va agir lui-même comme une sorte d'élément génétique qui est hérité d'une génération à l'autre dans une lignée d'hôtes. Et dans ces conditions-là, ben on a une sorte de convergence d'intérêt de l'hôte et du parasite, parce que si le parasite tousse en hôte, ben il ne peut pas être transmis là. Tandis que si moi j'ai le Covid et je tousse beaucoup, je transmets à beaucoup de monde. Si moi je suis tué après, le parasite est super content, il a réussi à le transmettre. D'accord? Donc la transmission verticale, en théorie, doit évoluer vers un mutualisme. Parce que le parasite ne peut pas continuer à tuer son hôte, parce que à chaque génération, il dépend de son hôte pour survivre jusqu'à l'âge de reproduction et de se reproduire. J'ai pas compris ce que vous dites là. Quand vous êtes dans la première version, Oui. là le parasite il fait qu'on l'autre ou pas? Bah, pour la transmission horizontale, c'est un peu c'est neutre pour le parasite si l'hôte initial meurt ou pas. Ce qui est important, c'est d'être transmis. Tandis que pour la transmission verticale, il faut que la personne infectée, l'hôte infecté, survive jusqu'à l'âge de se reproduire. OK. Et en fait, ce que je vais faire, je vais sauter ça et je vais revenir à ça parce que ça, c'est un point important. Donc, je vais revenir après sur ces diapositives. Mais je vais vous poser cette question-là parce que j'aurais dû déplacer la diapo, à vrai dire. D'accord? Donc réfléchissez à cette situation-là. Donc imaginons que l'on a un parasite qui infeste 80% de la population de l'hôte.
Mais ici, il se transmet par voie verticale. Et si elle continue à provoquer de la pathologie chez l'autre, qu'est-ce qui va se passer au bout de nombreuses générations? Réfléchissez un petit peu à ça. Non, que 10 minutes. Ok, qui dit 1, c'est l'autre qui va disparaître. Ah, qui dit 2, c'est le parasite qui va disparaître. Quelques-uns. Qui dit 3, on aura un équilibre. La grande majorité. Ok. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est 2. C'est le parasite qui va disparaître. Donc, imaginons, donc s'il ne change rien. S'il est 100% transmission verticale et il reste pathogène. Donc, c'est-à-dire, ces 90% des individus infestés, bah, vont avoir un désavantage, ils vont être malades. Donc, ils vont survivre moins bien que les 10% de non-infectés. Donc, dans la génération suivante, il n'y aura peut-être que 85% de la population infectée. Ces 85% vont aussi être plus malades, ils vont se vivre moins bien. Donc, dans la génération suivante, on aura peut-être 80% d'infectés. Et en fait, ça va continuer jusqu'à zéro. Et c'est pour ça que le parasite va disparaître. Donc, pour qu'un parasite à transmission verticale persiste dans la population, il doit absolument soit avoir une transmission horizontale de temps en temps, ou alors arrêter de nuire à l'autre. Parce que sinon, il va disparaître lui-même. D'accord? Donc, je vais revenir un petit peu à ça. Donc, chez les bactéries, les alpha-protéobactéries, c'est un grand groupe de bactéries à grand moins, et elles sont intéressantes sur cette question d'évolution de parasitisme vers le mutualisme, parce qu'il existe des espèces pathogènes qui sont transmises par des vecteurs, donc il y a une transmission horizontale d'un individu infecté à l'autre. Il y a aussi des membres de ce groupe d'alpha-protéobactéries qui sont des organismes symbiotiques, les rhizobiacées, qui sont responsables de la fixation d'azote chez les légumineuses. Et on considère aussi que l'origine de la mitochondrie, c'était une alpha-protéobactérie. Donc on a des organismes pathogènes dans le même groupe et des organismes symbiotiques dans le même groupe. Et on a aussi un groupe d'organismes intéressants qu'on appelle le Wolbachia, qui infecte un grand nombre d'espèces d'invertébrés, qui sont quelque part entre les parasites et les symbiotes. Lorsqu'on regarde bien, chez certains groupes d'invertébrés, c'est clairement une interaction mutualiste, tandis que chez d'autres, chez les arthropodes, les Wolbachia semblent toujours être des parasites. Donc ça semble être une sorte de groupe de bactéries intracellulaires qui sont transmises de génération en génération parce qu'ils sont transmis dans les œufs du géniteur femelle, comme un peu comme des mitochondries. Donc on a une transmission verticale, mais qui est en train de évoluer vers une interaction mutualiste. Donc les Wolbachia chez les insectes, chez les arthropodes, qui sont toujours pathogènes sur les bases théoriques, elles ne devraient pas exister. Parce que ce qu'on vient de voir, c'est que si un pathogène ou un parasite à transmission verticale reste toujours pathogène, ben il va disparaître. Et pourtant, les Wolbachia ne disparaissent pas. Ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, les Wolbachia ont tendance à modifier la reproduction de leur hôte pour favoriser leur propre transmission. Et c'est ça qui équilibre les effets néfastes de l'infection sur l'hôte. Donc, néanmoins, on considère que, dans quelques exemples que l'on a étudiés, les Wolbachia, portés par des espèces hôtes, peuvent avoir des effets bénéfiques sur l'insecte, et notamment, chez certaines espèces, la Wolbachia protège l'insecte parasité des infections par des virus. Donc ça, c'est clairement un avantage qui est apporté
par la Wolbachia. OK. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est en train d'être développé comme système de contrôle du virus de la dengue, parce que le vecteur de transmission du virus, qui sont les moustiques du genre Aedes, Aedes aegypti et Aedes albopictus, n'ont pas naturellement de Wolbachia. Donc il y a des chercheurs qui ont réussi à les faire ingérer des Wolbachia, et ces souches-là ne reproduisent pas beaucoup le virus de la dengue. Et donc, ils sont beaucoup moins efficaces pour la transmission. Donc, il y a eu des libérations de millions et des millions de moustiques de Aedes porteuses de Wolbachia dans une tentative de limiter la transmission de ce virus. OK, donc, on voit que quelques interactions symbiotiques semblent avoir été... leur origine semble être l'évolution d'un parasitisme vers un mutualisme, mais ça ne semble pas tout à fait expliquer, enfin, pas expliquer l'ensemble des cas de symbiose. Parce que, par exemple, chez les lichens ou chez les coraux, on n'a pas de transmission verticale du symbionte. C'est-à-dire, lors de la reproduction sexuée, bah, la moisissure ou alors l'invertébré marin va devoir capter un endosymbiote, son organisme symbiotique à chaque génération. Donc on n'a pas cette coévolution qui est poussée par la transmission verticale de la symbiote. Ok, donc là, par exemple les coraux, c'est une symbiose entre des invertébrés marins et une algue microscopique. Donc lorsque le coral se reproduit lors de sa reproduction sexuée, on a une sorte de larve qui est libérée et qui doit capter une algue pour démarrer une nouvelle colonie de coraux. Mais il n'y a pas de transmission verticale, donc ils ne se reproduisent pas ensemble. Donc ces relations-là entre l'invertébré et le marin et l'algue, ça semble plus une sorte de relation prédateur-proie qui va évoluer vers un mutualisme qu'une relation hôte-parasite. Donc ça, on a vu. Et on va juste terminer par une sorte de résumé des différents cadres théoriques qui ont été proposés pour expliquer l'existence de la coopération dans les systèmes biologiques. Donc on a vu le kin selection. On aide des parents, ce qui est important, c'est le degré de parenté. On a vu l'intrusisme réciproque, et ce qui est important, c'est la probabilité d'un deuxième rencontre, c'est-à-dire que ces rencontres soient répétées. Donc nous, dans notre vie de tous les jours, on interagit avec beaucoup de monde que l'on verra peut-être plus jamais, mais on coopère avec eux. Donc il y a un autre système qui intervient, et ça c'est l'intrusisme indirect. Ça veut dire que cet individu-là va aider le bleu foncé et qui va aider le rouge à son tour. Donc on pourrait, donc on dépend, je vais donner à quelqu'un d'autre parce que lui il va donner à son tour à quelqu'un et le rouge peut-être un jour il va me donner. On fait une sorte de chaîne indirecte. Donc on peut imaginer que ça c'est le monde de bisounours, mais c'est pas ça. L'argent, c'est ça. L'argent, c'est quoi? C'est juste une promesse que je donne à quelqu'un que cette personne-là va pouvoir avoir quelque chose qui va être important pour elle. Lorsque je donne de l'argent pour m'acheter du pain, ben le pain, ça me donne un effet direct sur ma santé, sur ma survie. Ce que une pièce d'argent que je donne à la boulangère, ben ça lui donne rien, quoi. C'est juste une promesse que quelqu'un d'autre va lui donner quelque chose plus tard. Donc, l'argent, toute l'économie est basée sur ça. Réciprocité sur réseau, c'est-à-dire que, ben, les gens, ils interagissent plus avec des gens qui sont à côté. Donc ça, c'est un peu en lien avec le kin selection, avec l'intrusion réciproque, parce que on va avoir plus de chances d'interagir avec nos voisins. Donc on a intérêt à être sympa avec eux, parce que sinon, ils peuvent se manger. Et finalement, la dernière chose qui fait son grand retour, c'est la sélection de groupe. Parce que dans les années 1960, on avait dit, Monsieur Wynne Edwards, non, vous avez tort, c'est la sélection individuelle qui va toujours primer. Mais c'était une affirmation qui était avancée sans vraiment faire de preuves mathématiques. Et lorsque les mathématiciens ont approché cette question-là,
En fait, il y a certains cas où la compétition entre les groupes va avoir un effet plus important que la compétition entre individus au sein d'un groupe. Et ça dépend du nombre de groupes et de la taille relative des groupes. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qui fait son grand retour. Et comme je disais tout à l'heure, souvent difficile de démêler des effets de la kin selection parce que tous les individus dans un groupe, souvent, vont avoir des relations de parenté assez fortes. Ok, donc voilà, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on est dans le temps. Voilà, dernière diapo pour la fin.